Bonjour tout le monde. Hello, hello. Comment ça va? Ah, chouette, je vois que vous êtes déjà super nombreuses à être arrivées. Génial. Coucou tout le monde. Alors, je vais essayer de commencer à vous saluer. Je sais que je vais sûrement rater, alors je suis désolée d'avance. Coucou Martine, Nadine, Nathalie, Muriel, Héloïse, Cécilia, Daniel, Carole, Laurence, Camille, Rachel, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou Madrindrine. J'espère que tout le monde est en forme. Nous sommes mercredi après-midi, il est 14h. Coucou Crapouillot. Et on se retrouve comme chaque semaine pour notre live créatif du mercredi après-midi à 14h. Coucou Karine, Sandrine, Martine. Hello Marie-Christine, comment vas-tu? Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle petite technique très simple et accessible à tous les niveaux de Scrap sans aucun problème. On va pouvoir aussi jouer avec notre Stamparatus. Pour celles qui ne le connaissent pas, elles vont pouvoir le découvrir et voir une infime partie de ses capacités. Et ça, c'est vraiment sympa. Bonjour Marie-Claude. Donc voilà, ça va être très très simple, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Hello ma Fabienne, coucou Jamila. Quelques petites infos avant que nous démarrions bien sûr ce live créatif. D'abord, je vais me présenter pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020 et depuis maintenant 94 semaines, je vous propose de me retrouver chaque mercredi après-midi pour un live créatif. Celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, bienvenue, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires pour qu'on puisse vous accueillir comme il se doit. La petite équipe qui est fidèle chaque semaine est présente, pratiquement au complet. Donc vous allez voir, il y a une bonne ambiance, ça devrait bien se passer, j'en suis certaine. Une petite bulle, voilà, d'air, d'oxygène, de petites pauses rien que pour nous. On oublie tout ce qui se passe, on s'installe, soit on scrape, soit on regarde tranquillement. Et surtout, on profite. Coucou Béatrice, comment ça va? Bonjour Karine. Hello Gaëlle, Nicole, je vois qu'il y en a plein qui arrivent, super, super. Alors, qui a un tempouri? Camille, tempouri dehors, mais grand soleil sur mon écran. Oh, t'es trop mignonne, toi. Moi, le soleil a l'air de vouloir pointer le bout de son nez. Donc ça, c'est pas mal, ça va faire du bien. Petite bulle, mais pour des heures de bien-être derrière. Oh, on va se croire dans un spa bientôt. Alors, coucou Sylvie, comment ça va? Tempouri, je signe. Alors, vous le savez ou pas, nous sommes à la fin de la période de la Celebration. Elle se termine lundi prochain à 23h et des poussières. Ah, Marie-Christine, tu es dans le sud, il doit faire un temps magnifique. Je sais qu'il y en a qui ont presque pu se baigner la semaine dernière. Donc, cette Celebration, elle prend fin lundi prochain. Vous avez encore la possibilité de vous faire plaisir grâce à la dizaine de cadeaux qui est mise à votre disposition dans la brochure Celebration, donc par tranche de 60 euros d'achat. Donc vous avez encore le temps de vous faire plaisir. Coucou Fabienne, coucou Ticia. Beau après la tempête, c'est parfait. Coucou Gazelle. Soleil dans le nord, c'est parfait. Ça va faire du bien au moral de tout le monde, c'est génial. Commande passée, mon banquier va pleurer. T'as encore passé une commande, Héloïse? Ah, mais oui, je crois que j'ai aperçu le mail, mais j'ai pas eu le temps de voir, donc je peux pas confirmer ou non si ton banquier va se fâcher. Mais bon, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc profitez-en, c'est encore le moment. Pendant la Celebration, vous le savez aussi, hier plus aujourd'hui, on aimerait te voir tous les jours chez Harmonie pour une bulle de création et de partage. Oh, Muriel, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de te voir participer au Zoom hier soir, en tout cas. Ça, c'est top.
Pendant cette celebration aussi, il y a une offre donc de courte durée qui n'aura duré que 2 mois, mais c'est déjà énorme et qui prend fin elle aussi le 28 février. Lorsque vous allez rejoindre mon équipe, en la rejoignant, vous aurez la possibilité de choisir 2 sets de tampons parmi les catalogues en vigueur actuellement, donc l'annuel 21-22 qui se terminera dans quelques semaines. Et le mini catalogue janvier-juin 2022. Donc vous pourrez choisir 2 sets de tampons. Ceux qui vous plaisent, même les plus chers, pas de problème, vous pourrez. Je profite de cette occasion pour à nouveau souhaiter la bienvenue au nouveau membre de mon équipe qui est Martine. Je lui fais plein de gros bisous. Elle m'a rejointe hier, le 22-2-2022. C'est un signe et c'est une date dont on s'en souviendra, c'est certain. Nadine, il fait tout gris chez toi, j'en suis bien désolée ma belle, mais du coup, pose-toi, profite et ça va aller. Alors, je crois que c'est à peu près tout dans les infos dont je voulais vous parler. Le club des anniversaires est toujours ouvert, donc vous avez tous les liens nécessaires en haut de la publication sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube, si vous êtes en replay, bien sûr. Coucou Karine, ça va ma belle? Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour le catalogue, les brochures, vous accéder au kit, vous inscrire au club anniversaire. Voilà, vous avez plein d'infos et puis si jamais il vous en manque, il suffit juste de me contacter et je répondrai à vos questions. Ça marche? Bien. Ça y est, je pense que maintenant je vous ai dit le plus important, l'essentiel des infos de la semaine. Maintenant, je vous propose que l'on passe tout de suite à la création de la petite carte que vous avez découverte samedi matin, comme chaque semaine. Je ne savais pas trop quoi mettre comme titre à cette fameuse carte. Et du coup, eh bien, j'ai marqué jouons la superposition. Ceci étant dit, ça ressemble bien. Hein, vous voyez, on a superposé des papiers ici. Merci Joël pour les étoiles, c'est adorable. Coucou Muriel. Non, je ne l'ai pas eu Karine encore, mais j'arrête pas depuis ce matin. Donc la superposition, tout simplement, nous allons pouvoir nous amuser avec le Stamparatus, avec nos sets de tampons favoris, et puis bien sûr nos pattes d'encre, mais aussi les blends. Vous allez voir, je vais faire un petit combo de tout ça, et ça va donner à peu près, voilà, ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour cette carte de présentation, j'avais utilisé la superbe collection symbole porte-bonheur qui fait fureur depuis la sortie du mini et pour cause, elle est vraiment splendide. Donc là, vous voyez, j'ai mis en avant le set de tampons, donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. On a 3 couches de papier et puis tout ça, voilà. Héloïse, tu vois, je n'ai pas oublié de papier design, il est bien là, il est bien là. Et donc, avec le matage. Papier doré pour mettre, faire ressortir donc la création de ce papier. Et puis un petit peu de déco à l'intérieur avec cette magnifique grue ici. Et le papier blanc mis en avant cette fois ici par le papier design. Martine Boulier, tu me fais rougir. Drindrin, elle a le chic pour faire rougir les gens. Ça, je confirme. Le papier design de la collection Symbole Porte-Bonheur, là, le voici, pardon. Ici, ils vous sont présentés, pardon, 2 par 2, recto verso. Mais non, c'est pas une boulette, Héloïse, tout va bien. Tout va bien. Recto verso, donc vous voyez, on a du doré aussi. C'est aussi pour ça que j'ai utilisé le matage en papier doré. Vous voyez, ça brille. Ça, c'est vraiment inclus dans le papier. Donc, c'est juste magnifique. Tu feras un gros bisou au poney, Laurence. Voilà. Donc vraiment très très joli dans les couleurs unies, coordonnées, corail calypso, épinette enivrante, soyeuse succulente, brune dune, ardoise bourgeoise et donc l'or que vous retrouvez ici. Ici il s'agit d'une collection complète, donc du coup cela signifie set de tampons et en l'occurrence poinçon. Voilà le set de tampons. On ne regardera pas la petite faute d'orthographe ici.
C'est une erreur d'impression, vous le constaterez. Hein, je viens de casser mes aimants, je suis dégoûtée. Crapouillot, ne t'en fais pas, les miens sont cassés depuis belle lurette, mais ça m'empêche pas de les utiliser. Et t'es pas le seul à qui ça arrive. Voilà les poinçons qui sont coordonnés donc au tampon. Ils sont juste incroyablement beaux. Vous avez vu? Et pas de problème, Laurence, t'inquiète pas, va t'occuper de ton petit-fils, tout va bien. Tu regarderas les replays si tu veux, pas d'obligation, t'inquiète. Coucou Evelyne. Voilà, cette collection symbole porte-bonheur. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser une collection complète, mais je vais revenir en fait à un set de tampons qu'on a malheureusement un petit peu oublié, qui est caché dans le catalogue annuel. Et certaines d'entre vous le connaissent peut-être déjà, puisqu'elles l'ont connu dans un autre catalogue. Mais il est quand même toujours présent dans l'annuel encore, pour quelques semaines. Et j'avais envie de retravailler avec, parce qu'il est vraiment super beau. Et on a vraiment de quoi faire des super belles choses avec. Bienvenue au club, moi aussi ils sont cassés. Oui, ils sont tellement puissants les aimants du Stamparatus. C'est pour ça qu'il y a un petit message hein, quand vous l'achetez sur la boutique. Il y a justement un petit message qui vous informe qu'ils sont extrêmement puissants. Donc il faut faire attention à bien les manipuler. Et pour celles qui n'en ont pas encore, je vous invite, petite parenthèse, à entourer vos aimants de, par exemple, de masking tape. Donc le scotch repositionnable, par exemple, de l'enrouler et de faire dépasser une petite languette. Du coup, ça vous permettra de les attraper plus facilement sur votre Stamparatus, par exemple. Alors, le fameux set de tampons que je vais utiliser aujourd'hui, c'est Painting Poppies. Alors, est-ce que ça vous parle? Je suis sûre et certaine qu'il y en a plein parmi vous qui ne l'ont même pas remarqué dans l'annuel ou qui l'ont complètement oublié. Et du coup, je me suis dit, ça peut être sympa de le réutiliser avant qu'il disparaisse celui-ci. Parce qu'il était vraiment très très beau et il avait vraiment beaucoup plu. C'est ce que tu as fait, le masking tape, mais ça a cassé quand même, ouais. C'est une petite astuce en plus, mais malheureusement, c'est vrai qu'ils sont extrêmement puissants. Patricia, oui, tu l'as, super. Toi la première. Ah, voilà, il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui vont probablement le découvrir. Donc voilà avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Oui, mais ceux-là, ils sont plus dispo, ma biche, les poinçons. Mais le set de tampons, oui, toujours. Donc voilà, je vais travailler avec le gros coquelicot ici, le feuillage ici également. Et j'ai hésité un petit peu à la colorisation du coquelicot. Je me suis demandé si j'allais me servir de l'attache ou des blends. Et en fait, je vais faire avec les blends. Vous allez voir. Alors, vous êtes prêtes? On y va? On démarre? Alors, il a des gros doigts, crapouillot. Oh là là, je crois qu'on a trouvé une nouvelle chipie qui va s'en prendre à Crapouillot. Coucou Lucie, de bon matin, comment vas-tu? Alors, on y va, je vous redonne les mesures pour la base de cartes. Eh bien, une base de cartes basique, 21 par 14,85. Papier sur lequel nous allons venir faire un pli au centre à 10,5. Jusque-là, rien de compliqué. Voilà, je vais vous laisser comme d'habitude. Alors, je vais les mettre là. J'essaye de voir par rapport à l'écran. Voilà. Hop, je vais faire mon pli tout de suite, comme ça sera fait. Alors, ah oui, j'ai fait les coquelicots que j'ai plantés dans mes pots de fleurs. Oh, trop joli, Marie-Claude. Je suis contente que tu ailles bien, Lucie. Ça me fait plaisir de te voir là encore aujourd'hui. Cette base de cartes, je l'ai choisie en ardoise bourgeoise, c'est un gris que j'affectionne particulièrement et avec lequel j'ai tendance à pas assez travailler. Je trouve ça bien dommage parce que c'est vraiment un très beau gris. Je cherche mon plioir. Là. Hop là. C'est surtout ses mains palmées. Et voilà. Pour les nouvelles qui nous rejoignent aujourd'hui, vous allez voir, il y a de l'ambiance dans les commentaires.
Donc ça, c'est ma base de cartes. Pour l'instant, je vais la laisser de côté. Je n'en ai pas besoin tout de suite. Ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est les autres morceaux ici et ici. Alors, il vous faut trois morceaux de papier uni qui va servir de matage, en fait, tout simplement, avec trois tailles différentes. Ça fait un petit peu Dalton, vous avez vu? Alors, le zoom, voilà. Donc, trois morceaux de papier uni, disais-je, pour le matage. Mon rouge ici, ou plus précisément mon calico coquelicot, remplace tout simplement le papier doré sur ma carte initiale. D'accord? C'est la fête des jeunes mariés. Oui, je crois que c'est la fête de crapouillot aujourd'hui. Le premier, 12,5 par 9. Le second, 11,5 par 8. Et le troisième, 10,5 par 7. Donc là, on est sur le papier uni de matage. Ok? Ça, on va le laisser de côté pour le moment, puisqu'on va en fait travailler d'abord avec le papier blanc. C'est lui qui va vraiment représenter l'essentiel de cette technique de superposition. D'accord? Alors, c'est bon, vous avez vu les mesures du matage. Je vais retirer mes petits post-it et vous les mettre là pour celles qui n'auraient pas eu le temps de noter tout ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, à la fin du live, à chaque fois, le replay est disponible sur la page Facebook, sur mon blog harmoniescrap.fr et également sur YouTube. J'en profite pour vous dire que sur YouTube, nous sommes bientôt à 1000 abonnés. Je crois que nous sommes à une quinzaine près d'arriver aux 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne Harmony Scrap et je pense qu'il y aura une petite surprise une fois les 1000 abonnés atteints. Je mets mon matage de côté et là je vais donc attraper mon Stamparatus et mes papiers blancs. Je vous donne les mesures de ces fameux papiers blancs. Les voici. Hop. Évidemment, il en faut 3. Coucou Isa, comment ça va? Coucou Nicole. Le premier, 12 par 8 et demi. Je vous le rapproche, vous verrez mieux. 12 par 8 et demi. Le second, 11 par 7 et demi. T'as vu Martine? Ouais, je sais, j'ai coordonné. C'était pas fait exprès, mais en fait, j'essaye de changer de couleur de vernis, mais je suis accro au rouge. Et le dernier, 10 par 6,5. D'accord? Voilà pour les trois morceaux de papier blanc. Donc, à nouveau, je retire. Oh, c'est pas vrai que j'ai encore pas enlevé ces alarmes de la dernière fois. Il faut vraiment que je le fasse. Faut me faire un rappel après le live, s'il vous plaît. Si quelqu'un y pense, envoyez-moi un petit message. Harmony, retire tes alarmes des portes ouvertes. Hop. Voilà le deuxième et le troisième, comme ça vous avez encore tout sous la main. On ne rigole pas, on ne se moque pas, s'il vous plaît. Là. Et bien ils ne veulent plus coller. Soyez gentils. Bien. Je vais prendre tout simplement, mais vous allez voir à quel point cette technique est d'une facilité déconcertante. J'ouvre mon Stamparatus. Donc vous voyez, hein, je ne vous ai pas menti, effectivement, mon aimant est cassé. Et du coup, ici, je vais changer de main. Voilà, j'ai mis un petit bout de masking tape. Déjà, ne serait-ce que pour les attraper, c'est un petit peu plus pratique. Mais ils sont extrêmement puissants. Ils arrivent même à s'aimanter entre vos doigts. Je vais poser donc mon... Alors attendez, je vais mettre ça parce que je suis hors champ. Voilà. Je vais poser donc mon papier blanc le plus grand, c'est-à-dire le 12 par 8,5. Non Martine, je ne poserai pas de questions de chasse au trésor, il n'y en a pas aujourd'hui. Il y en aura des nouvelles au mois de mai pour la sortie de l'annuel. Donc 12 par 8,5 en premier. Ils ont même coordonné les vernis pour les démonter. Héloïse, tu me fais trop rire. Je pose par-dessus
le 11 par 7,5. Donc en fait, on s'assure évidemment de bien centrer ce papier. D'accord? C'est ce qui va assurer l'esthétique de la suite. Ok? Ah, pour les démos! Parce que démonter, je ne comprenais pas. Oui, c'est plus clair comme ça. Non, mais c'est une bonne idée, ça, des vernis coordonnés aux couleurs Stampin' Up. Je vais faire la suggestion, tiens. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée. Ça me plaît beaucoup. Un petit béguin bleu, par exemple, pour changer, ça pourrait être pas mal. Et je viens poser le troisième. Parce qu'avec mes bêtises, là, voilà, je le dispose pour que tout soit bien droit. On fait une espèce de pyramide. Ok. On s'assure que vraiment tout soit bien positionné. Et là, tout simplement, comme je sais que je ne vais pour l'instant et probablement rien mettre au centre, je vais venir poser mon aimant au milieu. Là, je suis tranquille. Même mes trois couches de papier ne vont pas bouger. Donc, c'est nickel. Je vais travailler, hop, donc, dans un premier temps avec le beau coquelicot. Coucou ma petite Maritine, ça va ma biche? Les post-it sont là, tu peux récupérer, il n'y a pas de problème. Et dans un premier temps, je vais venir tamponner mes coquelicots et ensuite je tamponnerai mes petits branchages. Donc celui-là, je le mets de côté pour l'instant. Ok. Alors, maintenant, il suffit simplement de choisir l'emplacement de vos tamponnages, en fait, tout simplement. Gros bisous, ma Cathy. Donc là, j'ai décidé de le positionner à peu près là. Ok. Je viens récupérer mon tampon avec la plaque de mon Stamparatus. Pouf. Et je viens tamponner avec mon encre noire. Voilà. L'avantage de cette technique, notamment avec le Stamparatus, c'est que si ce n'est pas suffisamment ancré, et ça peut arriver, notamment avec les trois couches de papier, on peut réancrer plusieurs fois sans craindre de dépasser, puisque du coup on va retamponner exactement au même endroit. Donc ça, c'est parfait. Hop! Je viens bien appuyer. Toc. Ça me paraît pas mal. C'est super. Du coup, alors, hop, je vais rattraper ça. Histoire de ne pas m'en mettre partout et de ne pas abîmer mon papier. Je vais nettoyer mon tampon avant de le reprendre et pardon, je vais y arriver, et de le déplacer. Voilà, ça m'évitera de faire des cochonneries, d'avoir un accident et de vouloir tout recouper parce que ça aura coulé, bavé et tout ce qu'on veut. Ok, maintenant, bah, je choisis de le mettre ailleurs, donc disons ici un peu plus à l'intérieur. Voilà. Toc. Et je recommence, même principe. Voilà. Je viens tamponner. Je viens appliquer. Hop. Mon tamponnage. C'est pas mal. Et je réitère donc autant de fois que je le souhaite sur mon papier. Donc là, je vais en faire deux autres sur le bas. Voilà, j'enlève vraiment le plus gros, hein, c'est juste histoire comment dire, de pas faire de boulettes, hein. Voilà, je vais le mettre ici, tiens, pour changer. Hop, voilà, et c'est reparti. Du coup, on n'oublie pas aussi de mettre un petit brouillon sous nos feuilles, parce que vous voyez, ça déborde. Ça dépasse, ça peut paraître évident, mais parfois on peut oublier. Ok, c'est pas mal. Et je vais faire le dernier. Hop. Voilà. Et je vais lui le mettre, je pense, un petit peu plus bas. Par ici. Après, je vais avoir mon feuillage. Donc, ça va l'habiller un petit peu plus. Voilà. Du coup, l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut vraiment mettre en valeur nos sets de tampons favoris. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Voilà. Pour mon petit coquelicot, c'est calé.
Je vais venir maintenant tamponner mon feuillage. Hop, je nettoie bien ça. Ça évite de laisser des résidus. Toc, je vais le mettre de côté. Et je récupère donc mon feuillage ici. Donc là, même principe, on choisit où on veut le mettre. Donc je vais l'incliner un petit peu. Voilà. Et lui, par contre, je ne vais pas le coloriser ni le tamponner en noir, mais je vais le tamponner en feuillage sauvage. Pourquoi tu ne le fais pas directement avec le tampon? Pourquoi je fais pas quoi, ma bichette? Pourquoi tu ne le fais pas directement? Alors, précise ta question, Martine, s'il te plaît, ma bichette. Fabienne, comment fais-tu pour avoir du noir topissime? Écoute, tout simplement, j'utilise la même Memento. Et quand je vois qu'elle n'accroche pas bien à mon papier, c'est aussi peut-être qu'elle elle est un petit peu sèche. Donc il faut la réancrer avec la recharge Memento, en fait, tout simplement. Et comme ça, après, ça va tout seul. C'est peut-être que ton pad manque d'un petit peu d'encre, tout simplement. Alors, c'est parti, je viens tamponner mon feuillage avec le feuillage sauvage, justement. Hein. Voilà. Tac. Ça va pas trop mal pour une première. C'est top. Ok. Je vais... Même principe que tout à l'heure. Hein, parce que on n'est pas à l'abri d'une petite boulette. Et de l'échapper. Et de mettre de l'encre partout. Voilà. Je le déplace. Je vais venir... Je vais l'incliner un peu. Voilà. Pourquoi tu as besoin du Stamparatus? Alors, j'ai besoin du Stamparatus, en fait, tout simplement parce que, premièrement, j'ai les aimants. Donc ça, c'est assez sympa. Là, j'ai quand même trois couches de papier qui sont superposées. D'accord? Qui ne font pas toutes la même taille. Donc, l'avantage d'être sur le Stamparatus, c'est que on a le tapis en dessous, donc c'est super pour pouvoir tamponner. On a les aimants qui maintiennent parfaitement bien nos trois couches de papier, d'accord? Et dernière chose, avec l'instamparatus, c'est ce que j'expliquais, quand je viens tamponner ici, là, si je me rends compte qu'effectivement il manque un petit peu d'encre et qu'il n'y en a pas partout, eh bien j'ai juste à réancrer mon tampon, tout simplement, et à revenir tamponner ici. Tandis qu'avec mes blocs acryliques, qui sont géniaux et que j'utilise aussi beaucoup, mais pour ce genre de choses, si je n'ai pas mis assez de pression avec mon bloc acrylique, pour retamponner parfaitement au même endroit, c'est mission impossible. Voilà, donc c'est parmi ces trois choses les principales avantages du Stamparatus. Là, du coup, je suis sûre de moi. Je sais que je peux réancrer sans problème, mon tampon est bien posé et il va correspondre parfaitement à l'emplacement initial. A bientôt Laurence, bon après-midi, bon courage à toi. Allez, le petit dernier, hop. Allez, on va le mettre ici. Voilà. Donc, quels que soient les sets de tampons qu'on choisisse, il y a vraiment de quoi faire des choses magnifiques. Voilà. Pour le tamponnage, c'est fini. Alors, je mets ça de côté, je les rangerai après. Voilà. Je laisse pour l'instant mon papier sur mon Stamparatus avec mon aimant, parce que je ne veux pas que ça bouge. Oui, Camille, exactement. Sans tout arracher. Faut pas se louper. Oui, exactement. Faut vraiment, quand on est avec les blocs acryliques, il faut vraiment être sûr d'avoir bien tamponné. Ou alors, effectivement, on peut aussi utiliser J'arrive pas à fermer mon truc. Voilà. Le Stampin' Pierce, le petit tapis en mousse. Alors, je vous disais, je ne retire rien pour l'instant parce que j'aurais pu
coloriser mon coquelicot avec ça, donc en utilisant tout simplement le pad Calico Coquelicot. Ouais, Camille, ça m'étonne pas. Non, mais il est vraiment génial. Puis en plus, il est hyper solide. Et je ne l'ai pas sorti là, mais il y a une deuxième plaque ici qu'on peut mettre. On a deux plaques. Donc, j'aurais pu choisir de tamponner ici. Mais du coup, j'avais envie de changer. Et tout simplement, bah, j'ai décidé de coloriser mes coquelicots en calico coquelicot. Logique. Alors Martine, est-ce que tu pourras nous montrer en détail le tamponnage de la carte de la grue porte-bonheur? Tu veux dire la carte initiale, Martine? Tu pourras voir les photos sur mon blog si tu veux aussi. D'accord? Et la grue à l'intérieur. Voilà comment elle est. Donc là, bah, tout simplement, je vais venir, oups, m'amuser à coloriser mon coquelicot sur mes trois couches en fait. Voilà, donc là je peux coloriser entre les épaisseurs, c'est même conseillé d'ailleurs. Voilà, toc. Bon, c'était aussi parce que vous le savez hein, je les adore moi les blends, j'adore coloriser avec. Donc c'était encore une bonne excuse pour pouvoir les utiliser. Hop, alors, je suis un peu loin, mais du coup, si je me penche trop, bah déjà, vous ne me voyez plus là. Il faut que je change d'angle que j'ai pris. Ah, il en va, mais ça ne va pas. C'est possible, Rachel, mais ça dépend si tu as le Stamparatus ou pas, ma belle. Du coup, tu as le temps de recommencer à recouper tes papiers blancs si tu veux, le temps que je termine ma colorisation. Hop. Donc pour l'instant, je suis avec le Blends Calico Coquelicot, mais le clair. Voilà. Allez, je vais lui mettre là aussi. Tac. Je vais faire mes quatre coquelicots. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Voilà, alors dites-moi en attendant, pendant que je suis en train de faire ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui scrapent en même temps et qui sont donc en train de faire la carte en même temps que moi? Dites-moi. Et si oui, vous avez choisi quel set de tampons pour faire cette carte à superposition? Je suis désolée, vous voyez que mes cheveux là. Pardon. Alors. Hop, tac, donc là j'y vais d'abord avec le clair et ensuite je vais venir avec le foncé pour lui donner un petit peu d'ombre, vous allez voir. Mais déjà ce rouge il est vraiment super beau. Hop, tac, voilà, je continue. Mes feuillages, hein, je vais les laisser tels quels. Voilà, parce que sinon j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé en termes de colorisation pour le coup. Hop. Ça serait dommage de trop forcer. Alors. Colorisation, hein, c'est tellement satisfaisant, ça détend. Ouais, c'est clair. Carole avec coucou amical. En même temps, le. Ah, le même set que moi, génial! Un bonheur, c'est Blends. Oui, Nathalie, je suis bien d'accord. Moi non, car ma lapine est en train de mettre bas. Oh, c'est trop mignon. Oui, je sais, Drindrin, que tu ne scrapes pas. Je le sais. T'as pas besoin de me le dire. Alors, Ticia va avoir un bébé lapin qui est en train de naître. C'est trop mignon. J'adore. Hop, voilà. Toc. Qu'est-ce que je les aime. Ça glisse tout seul, vous avez vu? Ça glisse tout seul, il n'y a
pas de marque de coup de crayon, c'est vraiment le top du top. Nadine, non, je fais pas en même temps, car elle permet pour moi, je viens juste de terminer de manger. Oui, ma Carelle, il n'y a pas de souci. Alors, Patricia, Henri Play et Coquelicot, génial. Ça me fait plaisir que celles qui les ont déjà, bah, du coup, les réutilisent et puis le faire découvrir à d'autres. Je trouve ça super. Allez, hop, un petit peu de foncé. Je suis un peu perturbée par les traits que j'ai là, mais ça va le faire. Le foncé repose sur le canapé avec harmonie à la télé. Carrément, Héloïse, t'as transmis sur la télé, mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, je sais que t'es pas la seule, Héloïse, à faire ça. J'avais une copine qui faisait ça aussi il y a quelques temps. Elle mettait, elle transfus, elle transmettait, pardon, sur sa télé et elle scrapait en même temps avec sa fille. Mon Dieu. Comme au ciné, ouais, tu m'étonnes. Oh mon Dieu. Allez, je donne donc des petites ombres pour le centre, comme ça, avec le foncé. Voilà. Tout simplement. Et je viens remélanger avec le clair. Voilà, ça disperse de façon un peu plus jolie la couleur. Voilà. Ça ombrage un peu. Toc. C'est beau, hein? Ça vous plaît? Est-ce que vous aimez? Je vais essayer avec Dahlia délicat. Ça, c'est une bonne idée. Béatrice, oui, il n'y a pas de souci, je comprends, évidemment. Moi aussi, c'est sur la télé, c'est meilleur que le moral pour les infos de la télé. Ah bah heureusement, ça me rassure. Je vous avoue que ça me fait plaisir, hein, parce que franchement, sinon, ce serait pas très fun, hein. Hop. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin que ce soit parfait pour que ce soit joli. Voilà, on accentue juste un petit peu partout. Avec le foncé. Hop, viens là, toi. Te sauve pas, c'est pas le moment. Voilà. Hop, et le petit dernier. Voilà. Là, j'ai un petit peu de foncé. Là, on va en mettre un peu aussi. J'ai failli coloriser mon brouillon, dites donc. Quand je vous dis que j'étais perturbée. Éblouissant, ma Fabienne. Oh, dites donc. J'adore. Pardon? Voilà. Hop. Un vrai bonheur. Bien. Voilà. Ma colorisation est faite. Alors, je vais retirer ça tranquillement. Voilà. Bon, déjà là, c'est assez sympa. Je vais le retirer doucement. Tant que ça sèche bien tout ça. Je mets mon Stamparatus de côté. Hop. Et maintenant, eh bien en fait, tout simplement, il va s'agir d'assembler tout ça. Donc je pense que vous aurez compris. Ma routine, ça suffit. Tu ne vas pas me les relancer sur la chasse au trésor, s'il te plaît. Hein. Donc je vais reprendre mes trois papiers de matage. Donc vous aviez les mesures ici. OK. Là, on peut dire que tu as mis de la couleur dans la grisaille. Oh, merci. Quel bonheur. Hop. Eh bien, tout simplement, vous l'aurez compris, nous allons venir coller nos papiers blancs sur nos matages. Voilà. Donc là, pareil, hein, pas compliqué. Donc, je viens coller tout ça. Hop. Pardon, excusez-moi. Eh ben, elle colle bien. Oui. Hop. La deuxième.
On se trompe pas de sens quand on colle tout ça. Hein. Faut bien garder le même sens, sinon vous allez voir, ça va faire bizarre. Hop, le troisième. Voilà, j'ai failli me planter. Tac. Tac. Voilà. Et donc, eh bien, on continue. On superpose. Maintenant, je vais venir poser tout ça l'un sur l'autre. Et vous allez voir que les motifs se rejoignent. Voilà. Ah, Titia, bonne idée. Avec Daffodil Daydream, ça va être très joli aussi. Pour celles qui vont faire cette carte, je serai ravie de voir vos interprétations. Donc, n'oubliez pas de les partager sur vos profils, sur ma page. Surtout en mettant bien le hashtag HarmonyScrap, comme ça, moi aussi, je peux les voir. Ça, ça me fait plaisir. Les points sans coquelicot sont toujours au catalogue. Oh, mais quelle erreur de ma part. Je suis désolée, ça veut dire que le lot est encore possible. Non, ça y est, je sais pourquoi. C'est qu'ils sont plus dispo en lot. Donc, ils sont uniquement tampons et poinçons séparés. Mais ils n'existent plus en lot. C'est pour ça. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Ça vous plaît? Oui, c'est super simple à faire, ça a un super rendu, mais c'est super facile. Je vais reprendre ma base de cartes. Vous savez, on l'a préparée au début, donc tout ça viendra devant. Juste, je vais mettre quelque chose à l'intérieur. Et pour ça, il vous faut soit un morceau de papier uni, soit un morceau de papier design. Au choix, vous faites comme vous voulez, d'accord? 14,3 par 10 cm. Ok. Et en fait, j'ai simplement décidé de venir le mettre ici. C'est pour rehausser un petit peu le papier blanc sur lequel je vais inscrire mon message. Donc là, c'est pas celui-là que je veux prendre. Je vais prendre le papier design de la collection des brillants, bien sûr. Je reste dans le calico coquelicot. D'accord. Voilà. Donc, 14,3 par 10. Petite parenthèse, oui, en effet, il y avait déjà ceux-là. Je les ai sous la main, donc je peux vous les montrer tout de suite. Les poinçons qui, en partie, étaient disponibles avec les coquelicots. Donc, mon papier ici et le papier blanc à l'intérieur mesure, lui, 13,3 par 9. Et puis du coup, j'avais déjà tamponné un petit feuillage. Toc. Voilà, histoire de... Vous avez vu? Ça va faire ressortir tout ça à l'intérieur aussi. C'est aussi sympa de customiser l'intérieur. Et pourquoi pas aussi les enveloppes. Alors, je viens coller mon papier blanc sur... Donc moi, en l'occurrence, le papier design, parce que c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Mais vous, ça peut aussi être le papier uni. C'est tout bête. Vraiment, c'est tout bête. Mais ça égaye vraiment l'intérieur de la carte. Et puis du coup, avec le papier design, l'œil va être attiré aussi. Donc c'est assez sympa. J'essaye de le prendre dans le bon sens pour pas m'en fiche partout. Voilà. Voilà, donc tout bête, hein, vous voyez, pour l'intérieur, ça va être tout simple. Et donc, par-dessus, je vais venir mettre mon petit bloc de superposition. Avant ça, sur ma carte d'origine, vous avez vu, j'avais mis une petite ficelle de lin, ici. Je vais faire la même chose aujourd'hui, mais avec, donc je vais prendre la ficelle à rôti, je vais prendre la blanche, pour que ça ressorte un petit peu plus. Ceci dit... J'aurais pu prendre celle-ci aussi. Non, je vais prendre la blanche pour que ça ressorte un peu plus. Hop, tout simplement. Mes ciseaux, voilà.
Donc là, soit on peut le mettre dans la longueur, sur le côté gauche, sur le côté droit. Je vais rester sur le côté gauche, je pense. Voilà. Alors, je vais pousser ça. Hop. Je vais venir faire mon petit nœud. Voilà, le blanc va bien ressortir avec le rouge de mon coquelicot. Voilà, toujours la partie que j'aime le moins et pourtant qui est si jolie. Réussir à faire un nœud joli avec la ficelle à rôti. Veux-tu venir ici? Elle est où ma boucle? Là. Ça va, ça pourrait être pire. Hop. Voilà. Juste avant de coller tout ça, je vais m'assurer que ma ficelle soit bien droite. Donc là, je vais la décaler un peu. Voilà. Et du coup, ça y est, je peux coller le tout. Oui, Nadine, pardon, j'ai pas regardez les commentaires suffisamment, je suis désolée. En effet, le gris, c'est bien ardoise bourgeoise et le rouge, calico coquelicot. Dernière vérification, la ficelle, elle est bien droite. Hop. Et je viens coller tout ça au centre de ma carte. J'ai dit au centre harmonie. Voilà. Merci Isa, c'est gentil. Gros bisous Karel, bon courage ma belle. Hop. Et là, il manque quelque chose, on est d'accord? Mais oui, il manque le sentiment. Alors, là, je vais couper un peu ma petite ficelle. Voilà. Et mon sentiment que j'ai préparé. Où est mon étiquette? Allez là. Il faut fêter ça. Voilà. Qui vient aussi, qui faisait partie à l'époque de la collection des coquelicots, justement, moment de plénitude avec des sentiments incroyables, notamment. Donc là, j'ai utilisé Il faut fêter ça, et il y a celui-ci que j'aime beaucoup utiliser aussi pour les albums. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Du coup, il y a des sentiments un petit peu pour tout. Donc les anniversaires, les remerciements, c'est vraiment sympa. Les condoléances aussi, parce qu'il en faut, malheureusement. Le mariage, vraiment, ça c'était un set qui était vraiment super sympa avec de très belles polices. Donc voilà, j'ai tamponné celui-ci. Donc ardoise bourgeoise à l'arrière, du blanc, tamponné en calico coquelicot. Hop. Et du coup, je n'ai plus qu'à poser ça. Et puis je vais mettre ici, j'avais envie de mettre un petit papillon. Vous les connaissez, hein? Les petits papillons en laiton. Voilà, je vais venir mettre ça sur mon étiquette. Hop, et je vais coller mon étiquette évidemment avec mes dimensionnels, que je ne sais pas pourquoi, mais je mets toujours à 3 km de moi. Voilà, donc je viens coller mes dimensionnels derrière mon étiquette. Toc. Je les disperse un peu en quinconce, comme ça, l'étiquette va bien se poser et il n'y aura pas de décalage sur la carte. Hop. Voilà. Nickel. Et la petite touche finale avec les petits papillons en laiton. En l'occurrence, je vais prendre le plus gros. Alors. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, le vilain. Là. Nickel. Et du coup, je pense que je vais en mettre un ou deux sur. Ouais. Un petit ici. Et un autre. Un autre là. Voilà. Ça fait la petite touche en plus
J'aime bien l'idée du papillon plutôt que des perdreaux. Ah oui, le petit papillon qui se balade sur les coquelicots dans les champs. Ouais, j'aimais bien l'idée en fait. C'est très bucolique tout ça. Et donc voilà. Allez, je vais faire un peu de place dans tout ça. Maintenant, les post-it, vous n'en avez plus besoin. On est d'accord. Hop. Voilà. Et du coup, voilà. Cette carte, très facile, elle est finie. Merci Daniel, je suis contente que ça te plaise. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Et donc avec l'intérieur, toute simple, mais qui donne un petit cachet en plus. Donc on a la version coquelicot et on a la version symbole porte-bonheur avec les jolies grues, le papier doré. Voilà. Chouette, ça a l'air de vous plaire. Ça me fait trop plaisir. Je vois plein plein de petits cœurs qui se promènent. C'est génial. Je vois des magnifiques, splendides. Waouh, merci beaucoup, beaucoup. Écoutez, je n'ai absolument rien inventé. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous montrer cette petite technique toute simple avec l'utilisation du Stamparatus. C'est vraiment un vrai plaisir. Je reviens vers vous quelques instants pour vous saluer. N'hésitez pas surtout, surtout à partager vos créations, que je puisse moi aussi les voir. Ça me ferait vraiment très plaisir. Partagez-les avec le hashtag HarmonyScrap tout en un seul mot avec un Y au milieu. Voilà, si ça peut vous aider. Voilà, et puis à chaque fois dans ces cas-là, quand le hashtag HarmonyScrap est utilisé, eh bien tout simplement Facebook m'envoie une notification en général. Et du coup, ça me permet d'aller jeter un œil sur votre belle création ou alors vous pouvez aussi les publier sous le live, bien sûr, en commentaire. L'intérieur de la grue, oui Daniel, bien sûr. Alors, j'ai changé de caméra, donc je vais me mettre ici. Voilà l'intérieur de la grue. J'ai mis du papier design sous le papier blanc. Mais de rien Sylvie, avec grand plaisir. Héloïse, toi tu préfères les coquelicots? Oui, c'est un peu plus punchy évidemment, hein. C'est complètement différent, deux univers complètement différents. Mais c'est ça qui est sympa aussi. Bon après-midi à toi, ma belle Sandrine. Je vous remercie de tout cœur d'avoir participé à ce nouveau live du mercredi après-midi. J'espère que vous avez passé un beau moment, que ça vous a mis un petit peu de baume au cœur. En tout cas, moi, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver pendant cette petite heure. Vous retrouverez dans quelques minutes la fiche technique, la liste des produits que j'ai utilisés, la vidéo. Tout ça sera disponible donc sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Merci Patricia, tu aimes les deux, ça me fait très plaisir. Muriel, la couleur fait du bien, je suis bien d'accord avec toi. En attendant, je vous retrouve samedi matin à 11h pour la découverte du projet de la semaine prochaine. Vous le savez, je publie toujours le samedi à 11h pour que vous découvriez ce que nous allons faire. Le mercredi suivant, j'espère vous voir nombreuses et nombreux à ce prochain live. En attendant, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!